Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de pouvoir faire cet appel au nom de tous, au nom de toute la préparation de ce qui est en train de se passer, ce soulèvement, cet appel à la résistance, au mouvement, à l'union. Donc, merci de partager ce live car il y a besoin d'un maximum de soutien et un soutien massif. Donc, on y va. Bonsoir à tous. Ceci est l'appel universel aux droits humains, lancé le 13 juillet 2021 et proposé à tous pour que chacun soit libre de le reprendre et de le répandre à ses amis, familles, voisins, employeurs ou institutions, afin de mieux communiquer, agir et faire respecter le bien commun universel. Les gouvernements ont demandé aux êtres humains de ne plus être libres et de ne plus respecter leurs droits fondamentaux. Or, il a été déclaré depuis des siècles que si les conditions d'humanité étaient contraires à l'honneur, la dignité et à l'indépendance des êtres humains, la lutte pour nos droits devait continuer. Nos décideurs, depuis de nombreuses années, bafouent nos besoins et nous sommes submergés d'informations, de directives qui nous font perdre de vue l'essentiel de nos valeurs, nos besoins et comme nos priorités. Nous nous sommes fait surprendre par ce coup de massue et ces mesures. Nous pouvons choisir de nous en défendre de la manière suivante, chacun pouvant être libre de les reprendre et de les faire siennes. Je suis un être humain, libre et responsable. J'ai conscience que j'ai des besoins, des droits et des devoirs, ceux dès ma naissance, quelle que soit ma condition. Le droit de respirer, de me déplacer librement sur mon territoire, de me nourrir et de vivre dans des conditions décentes. Le besoin de m'affirmer, de pouvoir poser des limites entre ce que l'on me demande et ce que je le veux. Apprendre à dire non, à être respecté, à être considéré pour ce que je suis sans avoir peur du jugement des autres. Besoin de la prise en compte de chacun dans les décisions collectives et d'une communication claire, indépendante et participative. Besoin que ma vie privée soit respectée, du secret médical aux données personnelles et le droit de disposer entièrement de mon corps. Pour conclure, nous invitons chacun, non pas à la confrontation, mais à la désobéissance civile non violente organisée à partir de ce jour, et ce jusqu'au retour de nos droits fondamentaux à choisir de prendre une injection ou non, de prendre un traitement ou non, et de porter une protection physique ou non. En effet, chaque individu est responsable de l'état de son corps, de l'état de ses défenses immunitaires et de choisir des moyens pour se protéger lui-même, quel que soit son âge, son origine et ses conditions sociales. Ainsi s'inscrit pour chaque être humain le droit fondamental universel. Merci à tous. Veuillez communiquer ce petit manifeste, cet appel aux droits fondamentaux universels, à tout un chacun, veuillez le reprendre et surtout ne pas céder à ce chantage, que ce soit par votre consommation, que ce soit par votre travail ou la façon dont on vous impose différentes mesures. Merci à tous, force, courage, espoir et liberté. Ciao.